Allez, là normalement on se qualifie en bonne position. Déjà là tu vois que sur la ligne droite on est resté à P1. Bon, après sortie de virage j'ai un peu merdé forcément. J'ai pas réaccéléré comme j'aurais dû. La voiture à boost, hein. Elle commence à être bien améliorée la voiture, c'est cool. Ouf. Je crois que j'allais être un peu large, mais ça va. On se bat avec Bottas. Tu vois, comme quoi couper c'est pas toujours bénéfique. Hein. Oh, c'est pas bien grave. Au moins P2 c'est déjà bien. Attends, on n'est pas encore arrivé. Une erreur peut vite être à... peut vite arriver. Attention. Ouah, non, à mon avis, ça sera P2. Il y a moyen que je décris sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne de départ, pardon. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Bottas, Baron et Lewis Hamilton. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Ok, mec, il commence à bien s'améliorer. Il est déjà 17ème, c'est cool ça. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. Des pointes à près de 350 km/h, une vitesse moyenne de 250 km/h, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu d'Esteban Ocon. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, il s'élance en fond de grille. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position et Baron complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Verstappen, Sebastian Vettel et Leclerc, Ricciardo, Stroll, Perez et Alexander Albon, Sainz, Kvyat, Lando Norris et Ocon. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Giovinazzi, Gasly, Mick Schumacher et Romain Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi et George Russell, dernier sur la grille. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Je savais bien que j'allais le griller dès le départ. Bon, je vois que le bloc propulseur, moi aussi, commence à être, un peu HS. C'est pas ouf, quoi. À chaque fois que je commence bien, j'ai le moteur qui flanche. C'est quand même fou. Bon, s'il pleut pas normalement, on est bon jusqu'à la fin de la course. Hein. Enfin, j'espère. Après avoir passé à deux grands prix à faire une catastrophe, mais pas possible. Bon, j'ai la voiture qui glisse, hein. Je sais pas pourquoi d'accord. Ah, la voiture elle glisse énormément, peut-être parce que les pneus sont pas encore hyper chauds.
Le moteur est pas top. Non, non, il est pas. Il tire un peu la tronche, toi. Bon, c'est que je crois qu'il y a certaines pièces pour les changer. Je vais devoir en prendre des pénalités. Donc, et ça, c'est parce que j'ai en fait, j'ai encore amélioré aucune pièce de fiabilité. Du coup, le moteur s'use beaucoup plus vite que. Bon, c'est si j'améliore une pièce moteur, enfin une pièce de fiabilité, bah, je peux pas améliorer le reste de la voiture en fait. Du coup, je suis obligé de faire un choix. Soit je privilégie la fiabilité, soit la puissance de la voiture, quoi. C'est un choix. Un choix. Tu vas se prendre une pénalité, hein, enfin comme les autres, hein. Qu'est-ce que je te dis. Enfin, ça, on n'a pas. Là où se place la voiture en fait par rapport aux autres, autres concurrents, on va pas se permettre de perdre du temps à la fiabilité en fait. Ça sort tout ça le problème. Parce que là les autres en fait quand tu vois ils leur les courbes de progression ils tapent dur hein. Ils tapent dur. Leur courbe monte très vite donc on peut pas leur se permettre de leur laisser un peu de marge. Parce que la preuve, j'étais repassé devant Honda. Et la semaine d'après, Honda est repassé devant moi, quoi. Oh, Max Schumacher course. Coup dur. Ça fait déjà 3 courses qu'il abandonne. Hein. C'est quand même chaud. Heureusement que je compte pas sur lui pour avoir des points parce que. Bah ouais, j'essaie gros, putain. Parce qu'en plus, il partait 17ème quoi, c'est ça qui est ouf. Pour une fois qu'il est bien positionné comparé à d'habitude, bah il merde. Tu veux que je te dise moi. Comment tu veux que je fasse avec une équipe d'incapables. Bah encore la faute de la fiabilité, tu vois. Tiens. C'est beaucoup tout l'inverse de sa performance. Ah ouais, c'est le problème. Regarde, il est là, il est sur le côté gauche. Là. Oh là là, je te jure, Mike. Et le mec, il est payé 2 millions. Yo, Anto. La difficulté pour l'instant, elle est à 80%. Mais j'ai fait exprès de descendre à ma. Pour la première saison, parce que justement, si je le mets trop haut, et vu ce que les sponsors demandent en fait, niveau capacité et argent qu'ils donnent, je peux pas mettre trop haut, tu vois. Après, je dis ça, mais deux courses d'avant, j'ai fini 21ème, je crois, et 16ème. Ça dépend des courses en fait. Ah, je vais peut-être pouvoir gagner une course. 2 millions pour boire du thé, c'est bien payé. ouais. Non mais tu vois, il payait 2 millions à être dans les choux quoi. C'est ouf. Et moi je suis même pas payé et pourtant moi je fais des bons résultats. C'est fou. Bah après là on a l'avantage, pourquoi? Parce qu'on a un moteur Mercedes justement qui est. On est classé deuxième dans les moteurs. C'est pour ça, vu que c'est un circuit pour les moteurs. Je me répète beaucoup niveau moteur. Ça. Oula, c'est pas pour ça ce que tu marques, Max là. Il course. J'ai rien à dire. Ah, il course pas, putain, oui. Je disais la phrase en entier, putain. I'm sorry. Il boit du thé. Pourquoi forcément du thé? Tu sais qu'il est jeune, Mike, hein. Il doit être. Il a pas 24 ans, un truc comme ça?
cet âge-là, il boit un chocolat chaud. Il boit pas du thé. C'est pas un petit papy. Hein. Ok. N'empêche, tu remarqueras qu'il y a que Bottas qui colle au train. Hein. Les autres, on leur a mis une petite distance déjà, mais... J'arrive pas à m'en séparer de... J'ai glissé, chef. Je me demande si c'est parce que je suis resté en vie justement que la voiture a glissé. Je sais pas. Comme ça, tu vas le distancer. C'est ça. Non, mais je suis derrière, hein. Retour normal, tu vois, sur les trucs banals, tu vois, comme tout à l'heure, je me prends une pénalité, tu vois, je... Même pas mérité en plus, je préfère le préciser. J'utilise pas ce flashback, mais... Là, je l'utilise quand même, parce que, ouais, quand même. Quand même, j'ai bien le droit de faire une course, non? Vive le DRS. Robotas. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que tu vois, c'est, ça a toujours été le problème c'est du DRS, c'est que le mec qui est devant, il peut pas se défendre en fait. Tu vois. Après, forcément, ça te met un peu plus d'action dans les courses parce que justement, t'as plus de déplacement. Mais c'est pour ça qu'en général, quand je suis dans des zones de DRS, je me mets en riche. Ça permet que la voiture ait un peu plus de puissance que si je reste en standard. C'est pour ça que je me blinde d'essence avant de commencer la course. Bon, après, forcément, avec tout ce que j'ai consommé depuis tout à l'heure. Parce que forcément, il reste derrière moi depuis tout à l'heure grâce au DRS, mais. Franchement, tu vois, c'est étonnant parce que je suis qu'à 80% de difficulté, mais d'une course à l'autre, c'est jamais la même course. Hein. Là, si. Merde. J'ai activé le DRS sans voir le. Alors que je l'ai pas, mais c'est pas grave. Là, je crois que ça va être que notre troisième victoire si on gagne. Donc. Mais je pense qu'en vrai on pourrait jouer 85-90% pour être bien quoi. Pour être bien. La voiture sera un peu mieux. Un peu mieux niveau performance. Parce que là c'est vrai que. Si je le mets maintenant, je peux pas. Bah ouais, je suis pas un bourrin moi avec mes gommes. T'es mignon. T'es mignon lui. Parce que sinon mais si je là je mets à 90% laisse tomber, les sponsors, je pourrais jamais les faire. Il me demande d'être dixième en qualif et 7e sur les courses. Donc bon, c'est pas des trucs que je peux réaliser si j'ai une voiture où j'arrive 15e, tu vois. C'est un peu plus compliqué sinon. On est toujours pas en gros centre. Au prochain tour, je pense. On a fait un peu plus de la moitié déjà. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Ah, mais je crois que tu m'as pas mis les bons pneus, Toto là. Ouais, parce qu'il va falloir que je fasse en roulant. Voilà celui-là. Pourquoi il met des pneus durs? C'est ça que je comprends pas là. Il n'est pas les du médium. C'est pas logique. Alors c'est moi, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Là c'est pas les médiums que j'ai, c'est les tendres. Je sais pas, c'est peut-être un bug. Hein. C'est pas impossible. Hein. Et c'est mieux dur que mou. Ça dépend pourquoi, mais pas pour les pneus. Ça dépend ce que tu veux faire avec les pneus, bien évidemment.
C'était risqué. Putain, j'étais à une, plus d'une seconde, je crois que j'étais à une seconde 2, une seconde 5. Il est quand même revenu à 8 dixièmes. Hein. C'est un fou. Essaye de te clouter. Ça, c'est du freinage, ça. Ça, c'est du freinage comme on les aime. Une seconde 6, bah tu vois, d'une seconde 6, il passe à une 8. Ah, et j'ai perdu du temps à cause de moi, parce que j'ai relâché trop vite. La voiture, elle est pas partie. C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu. Bon, c'est pas grave, avec l'avance que j'avais sur les mecs de derrière, de toute façon, et vu que Bottas il rentre en même temps que moi. Bon. Et bah normalement, je suis censé repasser devant. C'est bon là, avec le passage au stand, j'ai mis 3 secondes 4. Ça c'est cool. Ouais, ou alors faudrait peut-être que du coup faut peut-être que j'augmente les pièces de fiabilité pour que justement peut-être que le mic il soit pas out maintenant à chaque course. Donc, techniquement on est censé avoir la même usure quoi, donc je comprends pas pourquoi moi je peux bien sûr je peux tourner sans être out et pas lui quoi. J'ai fait n'importe quoi. Une grosse quiche. C'est pas grave. Il va pas rattraper derrière de toute façon. Je vais mettre un peu en rouge pour essayer de gagner encore un peu plus de temps, on sait jamais. Bien. Tu vois de la vente si tu savais. Bah tu vois, y'a que Sainz qui a mis des pneus durs en fait. Tous les autres ils sont en médium. Hein. Donc c'est bizarre qu'il ait voulu me passer en dur. Je crois que l'ingénieur il a voulu qu'on perde en fait. Là c'est pas logique de mettre des pneus les plus lents par rapport aux concurrents en fait. Ou alors j'ai pas compris. Oh, c'est parce que vu que je fais pas les essais, peut-être que le jeu il est programmé justement pour faire ça, mais normalement c'est pas trop logique quoi. Il est pas censé. Quel abouti, putain. On voit que je commence à être fatigué. Hein. J'ai envie de bouffer le verre tout seul. Sans rien faire et en ligne droite. Le fou. Ça va. Ah oui, il m'attrape plus, hein, la fête Bottas. Il a lâché l'affaire. Le mur, il a quel goût? Il a un goût bétonneux. Pas comme tu les apprécies. Alors, ensuite, Jeff. T'imagines Jeff quand il part avec sa femme en vacances? Il reste 580 km de carburant. Attention aux gommes, on n'arrivera pas peut-être jusqu'au bout. Quel fou. Toujours à 3 secondes 6. Ouais, il roule aussi vite que moi en fait. On avance à la même distance. Bon, là, il va peut-être m'attraper vu ce que j'ai pris. Un petit peu en riche. On va pas pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. On a à peine un tour d'avance sur nos prévisions. Il va falloir que tu passes au mélange 2 bientôt. T'inquiète. Laisse faire les professionnels. J'ai pas déjà assez répété de la soirée. Secondes, ouais, il m'a rattrapé de 6 dixièmes, mais il lui faudra plus s'il veut passer devant.
Surtout qu'il reste que 2 tours donc. Ça, tu vois, c'est des deux drifts comme ça qui te fait perdre énormément de temps. Ok, 3 secondes, ça va. Il est pas trop loin. Il est pas trop près. Normalement, si je fais pas d'erreur, je suis censé gagner. Hein. Voilà, meilleur secteur, c'est Bibi. Perte de temps inutile là. Là, j'ai pas trop le choix que. J'ai pas trop le choix parce que la voiture est en train de partir en cacahuète en fait. Mais bon, il m'a rattrapé un peu, mais bon, c'est pas grave. Je préfère pas perdre un peu de temps comme ça que faire un tête à queue et pas pouvoir repartir immédiatement quoi. Ou pire, casser la voiture. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Il y a 2 secondes 3. T'avais repris ton avance, il te rattrapait. Ah bah ouais, pas de problème. Non bon c'est pas grave. Pas bien grave. 2 secondes ça va encore tu vois. Tant qu'il passe pas sous la seconde, qu'il n'y ait pas le DRS, ça me va. Dangereux. J'ai senti vers la fin de la voiture qui est partie en freestyle mais. Heureusement qu'il n'y avait pas 70 tours en plus parce que. Je pense qu'au bout d'un moment le Bottas. Il était sur moi. Je vais gagner de toute façon. Bah bien sûr. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Ah, je sais. On a tout donné là. Pilote du jour, Kevin Magnussen. Félicitons le gagnant pour sa magnifique victoire. Le circuit de Monza est emblématique et il peut être fier de cette performance. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Qu'est-ce que c'est que ce casque ? Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux, car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Bon voilà, on l'a eu notre podium. Je crois qu'on est à notre troisième victoire là de la saison. Bon après on gagne pas sur les circuits les plus compliqués non plus. Mais bon une victoire reste une victoire. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Cette journée a été intéressante, mais à bien y réfléchir, je choisirais Alexander Albon. Il a fait preuve d'un pilotage exemplaire. Son équipe et lui-même ont de quoi être fiers. L'avis des fans est totalement justifié. Mais je pense tout de même que mon choix avait un peu plus de panache. Sa capacité à garder la tête froide et à terminer en beauté a fait toute la différence aujourd'hui. Mais ce n'est que mon humble avis. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Ok. Bah, du coup,
Ouais, le collègue, bah, out. Dommage parce qu'il est parti 17ème. Il aurait pu faire une très bonne performance. Mais bon, tant pis, hein. On peut pas tout avoir, nous au moins on est premier, c'est déjà beaucoup.